Salut tout le monde, c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042. Et oui, ça fait à peu près 4 mois que je n'ai pas sorti de vidéo, aucune vidéo depuis le début de la saison 6. Bien évidemment parce que cette saison 6, de mon point de vue, a été très pauvre d'un point de vue contenu et je n'avais aucun intérêt de vous faire des vidéos sur Battlefield 2042. Aujourd'hui, c'est bien différent, je viens vers vous avec de nouvelles informations pour la saison 7 et il y en a pas mal. Alors forcément, cette vidéo ne va pas durer 20 minutes, je vais vous résumer tout ça très rapidement sur fond de gameplay de Battlefield 42 et vous excuserez ma médiocrité étant donné que je n'ai pas joué au jeu depuis 4 mois et que j'ai record ces quelques petites minutes de gameplay avec les savoir-faire et les connaissances, on va dire ça, et le reste de quelques vieux réflexes. Bien évidemment, et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube où vous retrouverez forcément toutes les informations sur Battlefield 2042 et sur le prochain Battlefield, parce qu'on le sait, oui, il viendra certainement l'année prochaine. Alors oui, ça balance des infos comme ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je viens de vous dire. C'est vraiment quelque chose qui est connu de tous, du moins des personnes qui s'intéressent un petit peu à la sortie de Battlefield. Maintenant, allons dans l'ordre. Courant le mois de décembre, Battlefield a indiqué qu'il y aurait plusieurs cartes dans la saison 7 de Battlefield 2042. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ils ont tweeté qu'il y aurait des cartes. Pas une, des cartes. On en espère deux, bien évidemment. S'il y en a plus, voilà, on verra. Mais je pense que ce sera deux, et je pense que c'est ce qui est fixé. Mais des cartes, c'est déjà un gros changement comparé aux autres saisons, parce que les 6 saisons précédentes, on n'avait qu'une seule carte à chaque saison. C'est un petit peu pauvre, donc on espère vraiment avoir deux cartes très bonnes. Et un tas de nouveaux contenus. Bon, si c'est des skins, ils peuvent les garder. Si c'est vraiment pas mal de nouvelles armes, hein, je le répète plusieurs fois parce que les recycler des précédents BF, c'est cool, mais ça va 5 minutes. Bref, mon coup de gueule est passé. Donc, oui, des cartes et du nouveau contenu. Donc, on verra ce que ça donne, mais on ne peut espérer que le meilleur. Ensuite, il y a eu la roadmap de Battlefield pour 2024 qui a été publié. Ils ont parlé des events, Archangel, etc. Je vous avoue que cela ne m'intéresse pas spécialement et je pense que vous non plus. Tout ce qui est event in-game, en réalité, si vous jouez à Battlefield et que vous regardez cette vidéo, j'ai pas besoin de vous en parler. Si vous ne jouez pas à Battlefield et que vous venez voir un petit peu ce qui se passe sur la licence, voilà, si vous ne jouez pas, ça vous servira à rien et ça vous donnera pas forcément envie de revenir tester le jeu maintenant. C'est toujours sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Bref, il y a eu la roadmap de Battlefield pour 2024 et on a eu le droit à un petit visuel qui nous montrait une carte qui se passe en Amérique latine, qui se passe au Chili. Donc on sait que l'une des cartes de la saison 7 va se dérouler au Chili. Et tout ça a été confirmé par un tweet qui est sorti ce 23 février dans une vidéo où l'on voit une genre d'image satellitaire, enfin du moins un genre d'écran montrant l'Amérique du Sud avec un point et une communication radio. D'ailleurs, je vous laisse avec cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Democratic stability has plummeted in recent months with multiple nations across the globe seeing sudden totalitarian takeovers. This has sent ripples through many political alliances, as economic growth elsewhere changes the balance of power between East and West. While some analysts see the uprisings as a sort of social contagion, others have pointed to the sheer efficiency of these coups as a sign of more coordinated endeavors. Vous l'aurez donc compris, un petit peu de politique et de gronde sociale, les nopads vont devoir intervenir dans un pays déstabilisé. En gros, c'est un peu le speech, j'ai pas vraiment traduit, mais c'est ce que je comprends plus ou moins de mon point de vue, et j'espère que ça nous donnera quelque chose de fort sympathique. En tout cas, cette carte me rappelle un petit peu, du moins, avec le premier aperçu qu'on peut en avoir, Marché aux Perles de Battlefield 4, et il faut le dire, je pense que c'est un bon point. On a eu
un peu de similitude avec Xavot 311 pour la saison 5, il me semble. La saison 6, bon bah voilà, hein, vous l'aurez reconnu, un peu de métro, entre guillemets, évidemment, hein, parce que c'est pas une carte métro. On appelle ça une carte métro parce que c'est une carte avec des couloirs, mais en soi, voilà, c'était la seule similitude. Hein. Et là, pour cette saison 7, on se réinspire encore de un peu Battlefield 4 avec Marché aux Perles. Du moins, j'espère que ça y ressemblera, avec des petites ruelles, des petits magasins pour se cacher, enfin bref. Oui, j'ai dit se cacher, mais pour temporiser, évidemment, pour recharger. Mais voilà, je pense que ça peut donner quelque chose de dynamique et d'un peu moins renfermé, contrairement à ce qu'on a pu connaître dans cette saison 6, avec quand même, fallait pas être claustrophobe, quoi. Vraiment cette sensation d'enfermement sur la carte de la saison 6, qui était une très bonne carte, je le répète, pour y avoir passé de nombreuses heures de gaming, évidemment. Même si j'ai pas beaucoup joué cette saison, j'ai surtout joué sur Dissimulation. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les nouveautés. Tout ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a une mise à jour qui arrivera ce 28 février, comme vous le voyez. Si vous voulez avoir les détails de cette mise à jour, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si j'apprends quelque chose, s'il y a vraiment de grosses nouvelles qui arrivent sur Battlefield 2042, bien évidemment, vous serez les premiers au courant si vous êtes abonné à cette chaîne. Évidemment, je vous le dis, vous aurez... en exclusivité la saison 7 sur cette chaîne. Comme d'habitude, vous le savez, à chaque saison, on a la chance de pouvoir voir les saisons en avance pour vous les faire découvrir. Donc, vous aurez des nouvelles de la saison 7 ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire un petit retour, même si c'était 4 mois après. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'était Romain, et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!